Bonjour mes amis, bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Ruby et bienvenue. Alors, quand j'ai enregistré deux vidéos où je parle seulement japonais, je pense que c'est une bonne idée que j'enregistre une vidéo où je parle seulement en français. Alors, mon français ne s'est pas parfait, je fais de mon mieux. Alors, j'ai commencé à étudier le français encore il y a 3 mois. Et oui, aujourd'hui, je vais parler de pourquoi j'ai commencé à étudier des langues, quel est mon but avec le français, le japonais, etc. Quick disclaimer, please be kind. I'm doing my best here. Don't expect miracles to happen after 3 months, but yes. J'ai commencé à étudier le français il y a 4 ans. C'est après de mon voyage à Italie. Quand j'ai voyagé à Italie, j'ai connu des personnes qui parlent beaucoup de langues et je pense, wow, c'est incroyable. Je voudrais pouvoir parler des langues. J'ai connu une femme d'Italie qui parle comme 4 langues et autre fille qui parle comme 5 langues. Et oui, quand je suis retournée d'Italie, j'ai commencé à étudier l'italien et le français. Et oui, je me concentrais beaucoup avec le français. C'était le printemps de 2016. Mais après le printemps, j'ai arrêté parce que j'ai arrêté l'école pour le semestre. Et oui, j'ai commencé encore le printemps de 2017, mais j'ai continué seulement avec le français. Et oui, après j'ai arrêté encore parce que quand tu vas à l'école dans les États-Unis, tu as besoin de prendre des classes générales. Et quand j'ai besoin de prendre des classes générales, j'ai passé très occupé. Et oui, c'est très ennuyeux, mais il est nécessaire. Et oui, alors, après de 4 ans, oui, j'étais dans l'école, mais j'ai arrêté parce que je m'ennuie. Et oui, il y a 3 mois que j'ai commencé à étudier le japonais juste. Et c'est le même temps que j'ai décidé d'étudier le français encore. Parce que j'aime beaucoup de langues. Je pense que les langues, ils sont très beaux. Et c'est la raison que j'ai fait de mon mieux de continuer tous les jours. C'est un peu difficile parce que tu veux pouvoir parler très clairement maintenant, mais c'est un process. Et oui, j'ai fait de mon mieux. Je pense que la raison que j'ai pu parler un petit peu le français maintenant, c'est parce que quand j'ai commencé le français, j'ai étudié beaucoup plus que l'italien. Et c'est la raison que l'italien, j'ai pu un petit peu, mais non comme le français, parce que j'ai étudié tous les jours beaucoup de temps que j'étudie. Et oui, maintenant, j'étudie le français, je fais de mon mieux d'étudier comme 20-30 minutes tous les jours et regarder des séries ou des vidéos sur YouTube. Et oui, mais j'étudie beaucoup le japonais parce que le japonais c'est un petit peu plus difficile que le français parce que comme je peux parler l'espagnol, et l'anglais, je pense que le français c'est similaire avec sa langue. Oui, le japonais c'est très différent que de langue que je peux parler. Hein? Oui,
le japonais, quand tu écris, c'est très différent. Français, c'est un petit peu facile, easy. c'est similaire. Je ne sais pas si c'est dit ces mots comme ça. Oui, je suis très heureuse parce que les langues, ils sont beaux et j'espère un jour pouvoir enregistrer en vidéo où je peux parler très clairement avec toi et que tu me peux comprendre ce que j'ai dit. Et oui, mon but c'est pouvoir parler clairement parce que je voudrais voyager de pays comme au Japon, la France, et oui, Italie. Je voudrais voyager tout le monde et je voudrais pouvoir parler avec des gens et oui, et apprendre de la culture et de son histoire et oui, je voudrais pouvoir faire ces connexions et oui, je vais continuer et j'espère que tu continues avec ton langue, ton but de pouvoir apprendre la langue et whatever other goal you have, autre but que tu as. J'espère que tu aimes bien cette vidéo. Si please let me know what languages you're currently learning. Wow, I really have to think. I need to think a lot. I hope you guys enjoyed this video. If you did, don't forget to give this video a thumbs up and to subscribe to my channel for more upcoming videos each week. Thank you guys so much, and I will see you guys in the next one.